Il me reste deux petits jeux, les gars, vous êtes prêts? Le premier, c'est le jeu de la complicité. C'est-à-dire que. Les amours. J'ai ici. Je voulais faire un des amours podcast, mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'il fallait que je vous appelle et comme Adrien répond tout le temps au téléphone à chaque fois et que Robert, non. Et que moi, j'arrive à l'heure. voilà. C'est toujours un peu plus trop. C'était trop facile à organiser. Je me dis, bon, j'aime bien quand c'est un peu plus de piment dans la vie, tu vois. T'as bien raison. C'est des papiers. Le jeu de la complicité, c'est. Il y a un qui tire. On va faire deux équipes. Vous deux contre nous deux. Mm-hmm. Le premier, vous devez faire deviner à l'autre. Celui qui tire un papier doit faire deviner à l'autre sans que les autres devine. Le devinent avant. Oh. Pas que mal, vous, vous devez passer par votre complicité c'est à vous. Un peu comme Codenames, un peu. Ah, exactement, mais avec des petits papiers. Sauf que là, vous passez par votre complicité. Bah oui, ouais. Ouais, mais Codenames, et les autres peuvent te niquer. Tu peux aussi. Sinon, on le trouve avant, vous avez perdu. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de... dire, tu sais, enfin bon. Ok, go. Alors, je commence quand vous voulez. Ouais, commence, t'as gagné deux trucs. Pensez un chiffre. 7. Tu gagnes, tu commences. Ah bah, waouh. Ouais, c'était exactement le chiffre auquel il pensait. Ah ok, putain. Sur le mode fait Ken. Ok, donc tu veux me faire deviner un truc. Ok. Ah, c'est pas mal. Attends, qui a fait les papiers? C'est Vincent. C'est Vincent. Ah, ok, d'accord. Okay, okay. Bah ah, oui. Non, c'était, bah, oui, mais c'était pour être sûr. Ok, d'accord. Je n'ai pas fait le même. C'est genre, ah ouais, alors, on a très bien le droit du bar là. C'est, on l'a fait, on l'a écrit tous les deux. Ok. C'est dur. Ok. On aurait dû commencer nous. Ouais, je pense. Tu veux commencer nous? Allez, je commence. Je suis chaud. T'inquiète, je suis très réceptif. Phantom Force. Ok. Tu peux dire ce que tu veux. Ah non, mais c'est pas pyramide. Attends, je dois dire quoi? Ah, tu fais ce que tu veux, tu peux faire des phrases. Ah, Groom. Ah ouais, ce que tu veux. Groom, c'est une série. C'est... Ok. En fait, en gros, tu peux dire, souviens-toi, un jour, on était à YouTube. Un endroit. Ah ouais, pardon, excusez-moi. Oui, c'est pour ça. Alors, je refais, vas-y. C'est une de tes refs, je pense, sur Phantom Force. Mais je ne suis pas sûr, le rebelle ne va pas dans les rebelles évidents. Le rebelle, Lonzo. Code Quantum. TF1. Cheyenne. Bobby Six. Le rebelle. Le rebelle. Lorenzo Lamas. Vincent Black. Ah non, c'est pas TF1, putain. Supercopter. J'allais dire. Oh, oh yes. Ah, ouais. Yes. C'était M6. C'est ça. Ah, c'est M6, putain, ouais. J'ai fait de la merde. Ça devait être un peu tout, non? Supercopter. Désolé. Ouais, ouais, mais c'était M6. Je suis désolé, Adrien. Je suis désolé. Non, remets pas dedans, tu l'as remis dedans. Non, je l'ai mis là. Ok, c'est parti. C'est l'essence même de mon métier. À micro. Quand je crée un spectacle, je passe forcément par cette case. Dépression. Te branler. On était pas loin, toi et moi. Tu vois, le doute. On en a parlé avec Roman et Ahmed Sparrow. Tu peux faire un petit truc de téloge de Roman Fraissinet. Roman, non, c'est faut le dire à la fin alors. Roman et Ahmed Fraissinet. Ah oui, voilà. Et manger beaucoup, jouer aux jeux vidéo. Ah, la flemme. Non. C'est l'instant où je commence à trouver. L'abandon. Non, c'est ça. Ouais. Et le truc, c'est que. Ah, c'est ça. tu sais, quand tu montes sur scène, t'es obligé d'en faire pour arriver à devenir. Des bides. Ah, putain. Bien joué. On est plus potes. Peu de complicité. On est plus potes. Puis on arrête, on fait le podcast ensemble. Yes, ça s'appelle un bon podcast. Ah oui, pardon, excuse-moi. Peut-être pas que toi. Oui, pardon, excuse-moi. Je suis désolé, c'est l'excès. Vous kiffez, les gars, vous kiffez ou pas? Ça, c'est un très très bon jeu. Le reste, ça pue la merde. On te volera, on te le volera. Mais voler. mon frère. Médecin. Enfin, m'a offert un t-shirt de cet artiste pour Noël. Metallica. Iron Maiden. Je t'ai dit à l'anniversaire de Lucien qu'un mec ressemblait à. MacGyver. C'est Céline Hanouna. Non. Nirvana. Il était en face de toi et en disant au revoir, j'ai fait hé. Oh merde. Radiohead. Jacques Chirac. Non, comment ça s'appelle? Weezer. Nekfeu, Orelsan. Weezer. Il joue dans la flamme. Alors, Jonathan Cohen. C'est Gecko. Ouais. Bien joué. À toi, Navo. J'ai peut-être spoilé la flamme. Non, tout a été annoncé dans un. Très, très vite. Et t'as un t-shirt, c'est Gecko? Je savais pas. Mais si, je te l'avais dit. Ah oui, tu me l'as dit. Ok. Pardon, parce que j'ai un affaire horrible. C'est pas ouf. C'est pas ouf en termes de. Même de. Ouais, d'éthique. C'est une chose. Ouais. Je sais. Il est fort. Laquelle... Vous me dites quand ça commence, l'émission. Tu as essayé de développer une appli. Beaucoup de clics ou de mouvements par seconde. APM. Mais c'est un truc dans Starcraft. Lequel tu essaies... Voilà. Oh, bien joué. Oh, joli. Très très joli. Hey, égalité là. Hein. Égalité. Je sais pas, on compte pas les points. Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais. Ton rendez-vous, il est.
Bientôt. Ouais, je vois. Allez, on va pouvoir jouer pendant jusqu'au bout de la nuit. Par contre, je vous préviens, si mon rendez-vous annule, après là, on reste jusqu'à 2-3 heures du matin. J'ai encore 19 jeux. Ok. J'ai absolument rien à faire. Ok. Ou dans la vie en général. Il a un œil de verre. Minos. Le Pen. Non. Minos. Non. Il a un œil de verre. Il a un œil de verre. Le Pen. Non, c'est pas Le Pen. Le Pen. Non. Non, mais lui répond. Jean-Marie pas, Le Pen. Ah oui, pardon. Il a un œil de verre. Jean-Marie Le Pen. Non. Le Pen. C'est un. Marine Le Pen. Là, c'est. Le Pen. C'est large. Et en même temps, il n'y a pas tant de gens qui ont un œil de verre. Patrick. C'est il a un œil de verre. Ouais. J'ai... Alors non, je vais pas partir là-dessus. Il a un œil de verre, Renard. Ouais. Je t'ai raconté une anecdote, je crois. Mais non, mais tu l'oublieras. Ah alors, putain. C'est Spielberg qui a fait l'épisode il y a très longtemps. Il a commencé en faisant l'épisode de ça. Quoi? Putain. Et il a un œil de verre. Ah ok, c'est un comédien américain. L'épisode de ça. De ça, de ce que j'essaie de te faire trouver. Non, non, c'est de la merde. Si c'est un épisode, c'est quoi comme série? Mais vas-y. Après, je peux dire un truc, mais ça va être à la rapidité. Hein. Bah non, mais bah oui, c'est une carte du jeu. C'est la carte du jeu, c'est la rapidité, c'est une carte du jeu. Hein. J'essaie, mais c'est dur de. En fait, j'essaie de trouver le truc pour il a pas. Il a un œil de verre. Bah oui. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, même si on est très complices, c'est impossible. On n'a jamais partagé ce truc-là. Le Pen. Non, non. Comme Supercopter, mais c'est pas une rêve de Phantom Force. Non, là pour le coup, c'est TF1. Et c'est pas du tout une rêve de Phantom Force. Colombo. Oh, joli. Ouais. Il a un œil de verre, Colombo. Peter Falk, ouais, il a un œil de verre. Même pas, putain. Eh hey. J'aime pas qu'on compte les points, mais on gagne quand même. Vous gagnez en complicité. Oh. Ok. Mais on trouve vos trucs aussi. Bah non, vous avez trouvé qu'un autre. Hein. Alors. Ouais, bah ouais. Le silence. Putain. Il est fort. Niqué, mon gars. Enculé. On n'y a jamais joué ensemble. Le loup-garou. Sur une console où on n'a jamais joué Mario ensemble. Mario Kart. Oh. Altered Beast. Non. King of Fighters. C'est un peu plus moderne que Altered Beast. Tekken. Street 4. On n'y a jamais joué ensemble. On a joué à Street. Ça, on n'y a jamais joué ensemble. De toute façon, on ne peut pas y jouer ensemble. Ah. Et c'est un truc que... C'est des jeux que moi, tu sais, moi j'aime pas ces trucs là. La Légende de Zelda. Parce que quand c'est comme ça, j'aime pas ces films là, j'aime pas ces jeux là. Tente-le. Bah, dis-le. Non, mais parce que j'aime pas The Last of Us. Hein? The Last of Us. Mais moi j'aime pas trop ces genres de délire, exactement. Ces genres de délire, mais bien plus avant. Resident Evil. Putain. Ah, yes! Je suis trop complice avec vous tous. Ah là là, on est trop des potes, nous on fait la danse de l'amitié. Allez. Danse de l'amitié. Oh non, Bruno, il est pas du tout notre pote. Ah, il a fait la danse du mauvais perdant. Attends. Qui est celle-là? C'est à moi. Allez, encore un petit tour. Après, vous nous avez bien baisé sur le jeu du Johnny Depp. C'est notre petite revanche sur le jeu du Johnny Depp. C'est vrai, j'avoue. Il est mignon ce qu'il croit. Il se dit, il est vraiment pas bien. Dis-lui un truc positif. C'est vraiment un bon papa, Flo. J'aimerais que ce soit mon super père. Papa, Flo. Flo, c'est le Alain Chabat. C'est le Alain Chabat. Je voudrais qu'il baisse ma mère. C'est Alain Chabat dans Papa. Oh, vous êtes gentil. Tellement c'est un bon papa. Mais je me retire pas assez vite, donc c'est possible que je sois père un jour. Alors, vas-y. Un jour. Alain Chabat dans Papa, c'est mieux que. Non, je l'ai pas. Thierry Chabat dans Baba. Dans Baba, mais ça ne se passe pas. Un jour, t'as raconté une anecdote. Il y a longtemps, où un pote à toi avait vomi sur un truc qui t'appartient. Ma bite ? Non, mais de toute façon, si, ne le dis pas si tu gardes-le dans ta tête. Ouais. Mais du coup, je pense que... Et ce truc qui t'appartenait... Ok. En fait, vous... Ouais, mais je peux pas dire. Ah, ma Kangoo ? Une Kangoo ? Une voiture ? Voilà, mais il fallait pas le dire. Pas le dire. Parce que du coup, maintenant... Pare-choc. Ah, la portière. Rétroviseur. Non. La vitre. Le volant. Le siège arrière. T'as niqué mon plan. Le volant. Plage arrière. Coffre. La ceinture. La boîte à gants. Il a géré mal dans la boîte radio à gants. Cassette. Dans le radio cassette, exactement. Dans le tiroir. Moteur à gauche. Diesel, essence. Pot d'échappement. Ça c'est la vraie complicité, c'est quand on se chuchote. Dans le coffre. Coffre. Non. Bah non, mais attends. Autoroute. Va, attends, non. On va au bout de ce truc. Bah klaxon. Dans quoi tu ranges cet objet? Un garage. Le chat. C'était très rapide. Ils ont joué la carte de la rapidité et ça a marché. Ok, allez. Une dernière. T'as bien niqué. Allez, une dernière et on passe au dernier jeu. Je t'ai dit, si tu l'as, ne le dis pas. Une voiture. Oh, mais t'es trop belle. Bah, Lornes, c'est trop gentil. Bah oui, vas-y, prends le rhume de. Console parce que t'as niqué le jeu. Bah oui, mon chien. Bah oui. Tu dois avoir une saveur. Tu mets de la crème? J'ai la peau grasse. Ils adorent ça, les chiens. Ils adorent le sébum. Par contre, on joue là. Vas-y, Navo. Mais oui.
C'est pas être complice avec le chien, le. Je crois. Hein, non, mais t'as raison. J'aime pas les gens qui jouent pas et en fait ils jouent, tu sais. Bah, c'est vraiment ça là. C'est ça qui est un peu. Ok, alors. Il fluffy ne, en plus, ne leur donne pas trop d'indices. D'accord. Mais. Ça on a un contre-jeu un peu marrant. Oui, de ça. Dire non, attention oui. ce que tu dis. Ah, ouais, mais c'est ça le jeu. C'est on tout. A une blague. Ok. Entre nous qui parle d'une peur que tu as, ou qu'on pourrait avoir, mais que tu as avant une interview qui consisterait Rôter. À tenir un propos qu'on pourrait considérer comme étant raciste. Dieu donné. Redis ce que tu viens de dire. Il a déjà oublié. Je l'ai dit avec le même rythme que Johnny Joe Depp. Misogyne, sexiste. On a une blague. Où la blague, c'est de dire, t'imagines, pendant l'interview, je pète un câble, je suis en direct, et je dis un truc. Antisémite. Israël. C'est le moment français. On connaissait tellement pas. Mais tellement pas. Marrant. Non mais si c'est ça, c'est juste pas le même mot. Ça serait plus le parti qui tient ses propos. Le FN. Insoumis. En Allemagne. Les SS. Nazis. Ouais. Ah. Putain mais ouais. En fait le mot il était tellement simple ouais, que j'étais là mais j'ai aucune anecdote nazi. Mais c'est ouais. quoi les dernières oh. Moi j'ai peur de ça, j'ai peur de dire. Ah tu te rappelles pas ça, chaque fois on fait la blague, on dit putain t'imagines t'es en interview en direct, t'as un bug dans le cerveau. Oui, dit. On dit alors quoi de neuf pour votre et tu fais les juifs tout le monde meurt. Et ta carrière s'effondre en fait. T'imagines horrible. T'es bien assez stoïque quand j'ai dit antisémite quoi. Parce que j'ai dit antisémite t'as fait. Oui parce que j'étais là mais merde il l'a. Surtout, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut dire, si par exemple, vous avez... en fait, il faut passer par des étapes, ouais, quoi. Faut faire des étapes. Si vous êtes allé en Allemagne, tu fais, tu sais, le pays où ils nous ont servi deux bières au lieu de trois, et ben, qu'est-ce que le pire truc ouais, voilà, ouais. Ça. Ce jeu là, je trouvais pas. Est extraordinaire. Eh ben, chambé, les gars. Génial. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, plein de choses, une émission par semaine, des vidéos, des extras, des making-of, du stand-up, des sketchs, n'hésitez pas. C'est un peu mon fourre-tout. J'ai envie d'exprimer toutes mes idées à travers cette chaîne. Et cette chaîne est totalement gratuite. Donc, abusez-en, abonnez-vous.